C'est une longue vallée, là-bas dans le Jura, des villages posés, comme ça du haut en bas, des montagnes tout autour, des forêts, des prairies, des gens et leurs amours et leur toute simple vie. Des gens durs à l'ouvrage et depuis la nuit des temps, taiseux comme l'hiver, mais les yeux pétillants, mais les yeux malicieux, la plupart ouvriers, et debout bien avant que le jour soit levé. Une usine y a planté ses bâtiments tout gris, entrepôts, ateliers, cheminées, fonderies. Et parce qu'on y travaille, et ça fait des années, on a, ma foi, c'est vrai, presque fini par l'aimer. Comment appelez-vous quelqu'un qui met l'argent, le pognon, les gros sous, avant la vie des gens? Quelqu'un qui est prêt à tout, froidement pour trois ronds. Ça doit avoir un nom. De lointains décideurs, tueurs de profession, ont condamné à mort, et d'un coup de crayon, l'usine nullement vieillotte ou dépassée, d'où sortaient des merveilles d'alliage et d'acier. Les gens polis ont dit pardon, une question. La réponse a fusé, pas de négociation. Vous n'avez aucun droit, vous n'êtes rien pour nous. Quel culot, ma parole, pour qui vous prenez-vous? Face à tant de hauteur, face à tant de mépris, votez la mort dans l'âme, une grève a suivi. Votez, visage grave, l'angoisse sur le front. C'est la première fois qu'on ose dire non. Comment appelez-vous quelqu'un qui met l'argent, le pognon, les gros sous, avant la vie des gens? Quelqu'un qui est prêt à tout, froidement pour trois ronds. Ça doit avoir un nom pour la fraternité. Dans l'usine occupée, la calme certitude qu'au bout l'on va gagner. Et puis passent les jours, les semaines, les mois. Le courage s'épuise, le courage s'en va. Et c'est une défaite, encore une de plus. Jusqu'à quand les sanglots et les causes perdues? Faudrait-il pour autant renoncer au combat et se taire, accepter? Faut-il baisser les bras? Qui dira à quel point ce monde est odieux et puant la charogne et méprisable et vieux? À quand viendra la fin de l'arrogance? À quand se lèvera l'aube de l'espérance? Comment appelez-vous quelqu'un qui met l'argent, le pognon, les gros sous, avant la vie des gens? Quelqu'un qui est prêt à tout, froidement pour trois ronds. Ça doit avoir un nom. Comment appelez-vous quelqu'un qui met l'argent, le pognon, les gros sous, avant la vie des gens? Quelqu'un qui est prêt à tout, froidement pour trois ronds. Ça doit avoir un nom.